Salut à tous, c'est Naxi pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui sur F1 2012, donc la nouvelle version du simulateur de F1 qui coûte à l'heure actuelle 35,99€ sur Steam, qui coûte en temps normal, donc il est en réduit en promotion à moins 10%, il coûte en temps normal 39,99€. C'est un PEGI 3, ça sort le 20 septembre 2012, c'est donc de la simulation course automobile. Édité par Codemaster, développé par Codemaster, le studio de Birmingham. On a donc sur cette nouvelle version toujours très très sympathique. La modélisation des voitures, comme vous pouvez le voir, est vraiment parfaite. On verra dans le jeu final, donc on aura toutes les modifications qui ont été apportées sur les véhicules pendant la saison 2012. Donc comme par exemple les déflecteurs pour refroidir les freins sur la partie avant, les goulots de transmission d'air à l'arrière des véhicules, enfin toutes les dernières modifications qui ont eu lieu dans la nouvelle saison de Formule 1 cette année. Le jeu est toujours très sympa, il propose toujours les modes multijoueurs classiques, coopération en campagne et coopération également en championnat. Donc c'est nouveau, on n'avait pas la coopération au niveau des championnats, maintenant on l'a. On va avoir au niveau de Steam un classement sur Steam, donc qui répertoriera vos temps, etc. pour regarder un petit peu ce que font vos amis et essayer de les battre même si vous ne jouez pas avec eux. On a les sauvegardes dans le cloud au niveau de Steam, donc ça c'est une option qui moi m'intéresse pas mal puisque je joue souvent sur plusieurs ordinateurs, que ce soit sur mon PC portable, mon PC fixe ou un deuxième PC fixe qui est pas chez moi. Donc c'est pas mal, ça permet de continuer son jeu tout en étant sur des ordinateurs différents. Donc la sauvegarde est hébergée directement sur le serveur de Steam et ça permet de continuer son jeu tranquillement. Peu importe où nous nous trouvons, si jamais par exemple vous avez votre PC portable et que vous vous déplacez chez un ami pour lui montrer le jeu ou quoi que ce soit, bah ça peut être sympa. Donc au niveau du gameplay, c'est de la simulation. Je tiens à vous le préciser, j'ai désactivé pas mal d'aides au pilotage pour faire cette vidéo, puisque j'aime pas avoir l'assistance au freinage, la voiture freine toute seule, j'aime pas avoir l'assistance du tout au niveau de l'accélération, même si c'est plus dur, je préfère avoir les commandes analogiques pour jouer, c'est quand même plus sympa. Donc on se retrouve sur un petit gameplay que j'ai préparé pour l'occasion. Bon, je suis pas un professionnel des jeux de simulation, hein, vous le verrez au niveau du gameplay. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Damien06 sur sa chaîne Dams TV quand il aura fait son gameplay à lui perso. Donc lui il joue avec un volant, il est vraiment plus à l'aise que moi au niveau des jeux de course. Donc je vous conseille d'aller la voir quand il la sortira. Il m'a dit qu'il allait la sortir, donc j'en profite pour vous transmettre l'information. Le jeu en lui-même a pas beaucoup changé graphiquement, on va dire. J'ai trouvé qu'au niveau du gameplay, il était un tout petit peu plus, comment dire, un tout petit peu plus dur, un tout petit peu plus exigeant, pour être plus précis. On commence vraiment à être sur de la vraie simulation de Formule 1. Hein. Déjà sur l'épisode 2010 et 2011, on avait un aspect simulation qui était très prononcé. Il continue dans cette optique-là et c'est vraiment bien. Donc c'est un jeu relativement exigeant, pas à mettre entre toutes les mains, hein, c'est sûr, c'est pas du tout un jeu d'arcade. Je me suis vraiment bien amusé sur... Donc là on est sur le circuit d'Abu Dhabi, qui est pas un circuit que j'aime énormément, qui est relativement court à mon goût, et pas assez rapide avec des virages pas forcément simples à prendre. Enfin, c'est pas un circuit très très rapide. Donc moi c'est pas un de mes circuits préférés, mais la démo propose ce circuit là, donc c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo là dessus. J'espère que ce petit gameplay vous donnera un aperçu du jeu. Vous pouvez toujours télécharger la démo sur Steam, hein, elle est totalement gratuite, ça vous permettra de vous faire une idée. J'ai passé toute la partie tutoriel qu'on a au début pour vraiment me concentrer sur le gameplay et vous proposer des images sympathiques. J'espère que ce petit aperçu vous aura plu. Moi pour ma part je pense sincèrement me le prendre parce que j'aime beaucoup la Formule 1, j'ai pas mal joué au 2011 et donc le 2012 est pour moi la suite logique, je pense sincèrement le prendre et y jouer. Surtout qu'en plus on peut jouer avec ses amis en coop, etc. Donc c'est vraiment sympathique. Je vous laisse donc sur la fin de ce tour. Je vous dis pour ma part à très bientôt.
aimez, commentez si ça vous a plu. Rejoignez-moi sur Facebook si vous voulez discuter, c'est toujours sympa de discuter ensemble. Je vous dis pour ma part à très bientôt et amusez-vous bien. Ciao tout le monde.